Ça joue et c'est terrible pour Solo Futi qui ne jouera pas la finale, s'il y a finale pour la section. Allez, mêlée, nouvelle phase de combat, de duel, avec une mêlée fermée dans un instant. C'est reparti. Les Rochelais sont en train de laisser filer le match. Il y a eu une bagarre, il y a eu un coup de poing énorme. Attention là, les bagarres, il y a 10 joueurs isolés. Ah, les Rochelais sont en train de laisser filer le match en sortant complètement de la partie. Il y a Colazo avec Joël Rey qui s'y mettent. Ouais, Patrice est effectivement rentré sur la pelouse pour parler aux arbitres. Ouais, là c'est vraiment pas joli joli, je peux vous dire. La commission de discipline va avoir du boulot la semaine prochaine. Là, les délégués déjà ils ont du travail pour contenir Patrice Colazo. Je suis un peu inquiet Nicolas quant à la suite du match. Écoutez Olivier. C'est ce que je crains Nicolas. C'est ce que je crains, c'est que le match n'aille pas à son terme. Ce serait terrible. Il reste 8 minutes. On est à 72 et 13 secondes précisément. Il va y avoir un autre carton rouge. C'est Jordan Seneca qui a donné le premier coup.